un bon match à... Ouais, il y a un bon match au parc là, ouais. Saint-Étienne-Auxerre. Bon, on va te faire le décompte. D'accord, on te fait le décompte. On te fait le décompte alors. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5. Eh bien, les deux autres demi-finalistes sont maintenant sur le cours. Daniel, il s'agit de Jimmy Connors et de Ivan Lendl. Ivan Lendl, le tchécoslovaque, tenant du trophée puisqu'il avait remporté le Masters l'année dernière. Et Jimmy Connors, qu'on ne présente plus en son année 82, a été brillant. Oui. Et finalement, Thierry, on s'aperçoit qu'on a, au cours de ces deux demi-finales, quatre vainqueurs du Masters. Alors on ne peut que se féliciter de voir ces quatre joueurs, qui étaient d'ailleurs les quatre têtes de série de ce Masters 83, mais qui compte pour l'année 82, puisque c'est un ici le classement général 82 du Grand Prix 82, qui sont là aujourd'hui. Alors, Jimmy Connors, lui, il a gagné en 77, et Lendl, lui, vous l'avez dit, a gagné l'année dernière. Alors, si vous êtes intéressé par les face-à-face, il faut savoir que aujourd'hui c'est la 11e fois que les deux joueurs se retrouvent face-à-face. Le Connors est vraiment énorme. Il n'a pas dû gagner souvent les deux. 9 victoires à 1, Thierry. 9 victoires à 1. La seule fois où Lendl est battu le Connors, c'est en demi-finale au tournoi de Cincinnati cette année. Et puis alors, ce sont des grandes retrouvailles entre les deux joueurs après la fort belle finale que l'on a pu suivre au mois de septembre lors du championnat des États-Unis à démonstration époustouflante. Et Connors, cette année, a terminé premier du Grand Prix. C'est lui qui a disputé d'ailleurs le maximum de tournois du Grand Prix, en a disputé 17. Alors que Lendl, lui, en a disputé 12 seulement, a terminé à la troisième place. Et c'est Connors qui va terminer. Oui, Lendl a remporté le top. Thank you.
peut dire, c'est que le public de tout à fait surprenant et carrément hostile à l'Allemagne.
frayeur quand même pour Connor.
7 victoires cette année, dont 2 grands chelems. Wimbledon, US Open, avec un titre de champion du monde à la clé. Et Lendl mène 4 désastres au service 15-0. Croisé partout entre les deux joueurs. Pense à rien. Pour les gens de la course. 40 à rien. Ah, ça descend bien là en ce moment. Et dans ce point-là, Lendl a placé 3 fois la balle sur la ligne. Tous les murmures du public. Rien à casser. C'est son corps, on revoit les règles. Le dernier coup droit en pleine course. Avec tout le poids du corps derrière. En 32 minutes, Gary. Ça va vite. Ça va même très vite. Vous savez, Lendl est un garçon qui commence toujours lentement. Et puis, c'est aux alentours du 5e, 6e jeu qu'il se met vraiment à démarrer, probablement.
semble le temps d'arriver à son plein échauffement. Et là, il se met à assez échoué. Et puis comme ça, ça a coïncidé avec une petite baisse de régime chez Jimmy Connors. C'est toute l'explication de la perte de ce tel pour Connors. Et Lendl qui va démarrer donc la deuxième manche avec l'avantage de servir le premier. Les jambes aussi. Trois jeux de suite perdus par Connors sur ces trois jeux, deux jeux blancs. Je m'inquiétais un petit peu pour Jimmy. Thierry, je vais profiter de cette minute de repos pour vous donner une petite information concernant Björn Borg. D'après le Conseil mondial du tennis, qui est l'organisme qui gère le tennis professionnel, eh bien Björn Borg aurait décidé de renoncer à trois tournois du Grand Prix cette année. Il s'agirait des tournois de Bruxelles, Rotterdam et Milan. Sa présence serait confirmée à Monte-Carlo. Et d'après ce que je crois savoir, Borg aurait demandé à jouer seulement 15 semaines dans cette année 83. Vous savez que le règlement du Grand Prix cette année fait que les joueurs doivent s'engager à participer à 12 tournois du Grand Prix, dont les tournois du Grand Chelem. C'est-à-dire que cela fait deux tournois de moins que l'année dernière où il fallait 10 tournois plus 4 tournois du Grand Chelem. Enfin 14 tournois il fallait. Eh bien, il semblerait que Björn Borg ait envie aussi d'avoir une saison un petit peu moins chargée. 15 semaines. Et tous les deux semaines, il pourra revenir au premier plan. Ce sera du reste une des grandes attractions de la saison.
annuler ce revers magnifique parce que tout droit dans la bande. Actuellement, ils ont une même zone, mais ils ne jouent pas contre pour le tour. Ouais. Jimmy Connor subit le match, comme le subit du reste 7500 New Yorkais. J'aimerais bien voir, évidemment, Jimmy Connor refaire sur place. Pour l'instant, il venait 15-40 en sérieuse difficulté sur son service après avoir perdu. Là encore, Lendl prend le service de Connor. Il va avoir beaucoup, beaucoup de mal, Jimmy. Venez qu'il est maintenant deux jeux à rien. Avec le break fait d'entrée comme ça. Avec le premier set perdu. J'ai bien l'impression qu'on se dirige tout droit vers une finale Lendl-McEnroe. Qui aurait de la gueule, reconnaissant-le. Hein? C'est ça la revanche de la demi-finale de l'année dernière. En tout cas, Connor vient de perdre 5 jeux d'affilée. 2 balles. Appel de succès, il joue en confiance, Lendl. Là, il est complètement intouchable. Oh. D'ailleurs, ça fait 2 balles qu'il n'a pas touché. Paul oh.
C'est quand même Lendl qui dirige le change. Hein. La balle de 3-0. Jeux à rien, c'est très impressionnant, mais ça fait qu'un seul break. Un seul serviteur. Oui. Bon, face à Lendl, ça suffit. C'est évident, ça suffit. Mais c'est vrai qu'il est bien, bien mal parti. Parfois, plus de... Il joue pas très bien, là, il faut quand même reconnaître. Il est un peu surclassé, malheureusement pour lui. Beaucoup, mais... beaucoup d'erreurs. Hein. Si encore, c'était en attaquant qu'il... Il manque des attaques, il sort des attaques de peu, comme ça doit arriver dans le premier set, mais c'est que là, il est vraiment, vraiment dominé. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais il faut une sacrée force de caractère pour essayer de se ressaisir, de renverser la vapeur. Alors, une petite précision concernant Björn Borg. Jouer l'année prochaine, mais d'après ce que disait la presse américaine ce matin, c'est une quinzaine de semaines. On les appelle, nous a fait savoir que l'AFP à Paris a décidé une défaite dans laquelle John Borg, qui est actuellement en Thaïlande, faisait savoir qu'il n'était pas question pour lui d'arrêter et que son objectif pour l'année c'était de gagner Pechou Mido. C'est vrai que Pechou Mido il n'a pas gagné. Le seul tournoi qui manque à son palmarès. Il est mené sur son service. Ah oui. Simplement, il n'a pas gagné un jeu là. Oui. 5 jeux perdus. Ah. Elle est dehors. Oh. 30 partout. Four!
arrière en faveur de Ivan Lendl sur le service de Jimmy Cobb. Ah, il s'est un peu doucement là, Jimmy, hein, des erreurs. Il a commencé très fort, et puis alors là, ça va durer longtemps. D'un filet gagné par Lendl. Et on peut presque dire perdu, autant perdu par Connor que gagné par Lendl. Avec le service de Lendl à suivre, alors. Oh. C'est pas de sentiment. Septième ace. C'est triste à dire, mais le problème pour Connor, c'est de savoir s'il va parvenir à prendre un jeu dans ses têtes. Là maintenant, oui, il est engagé. Ça lui arrive aussi, c'est la deuxième. C'est 15-30. De raquettes au-dessus de la bande. Et 30 partout.
aussi pour la première fois du reste dans ce tournoi du Masters 83, puisqu'il ne l'avait pas perdu contre Noah hier. Et Jimmy Connors revient, si l'on peut dire, de 4 jeux à rien à 4 jeux à 1. Et c'est lui qui va servir maintenant. Il a la possibilité d'annuler l'un des deux breaks de retard qu'il a. Savoir qui peut le faire. Oui, il est peut-être en train de chercher son. Et de trouver son deuxième souffle, Jimmy Connors, parce que en réfléchissant à la série de jeux qu'il a perdu d'affilée, je me suis demandé si il ne pouvait pas, en démarrant très très fort comme il l'a fait, s'il ne pouvait pas me l'assister. Je ne payais pas en ce moment les efforts de début de partie, parce que je ne voyais pas d'explication. Ce passage à vide quand même, parce que même si Mandel a fort bien joué, il y a quand même eu beaucoup d'erreurs. Pourcentage élevé de. Ouais. Il faut maintenant gagner son service pour revenir à 4-2. Et à 4-2. Rien ne sera encore fait non plus. Hein. Non, non. Deux balles. Ce bat quand même avec beaucoup de courage. Oui, bah oui, il faut le reconnaître. 35.
Van Ham, un petit peu haute, là, alors le cours est ouvert pour le coup droit, le coup de canon, le coup droit. Il tremble partout. La Glendal a trouvé la bonne longueur et empêche Connard de monter au pilote. Encore une fois, oui. Vous voyez, quand vous divisez sur la bonne longueur, je ne sais pas combien il n'y a plus même de balles sur la ligne de fond. C'est tellement un nombre impressionnant. Balle de break à nouveau pour Lindahl. Balle de 5 hein, pour Lindahl. Huitième ace de Lindahl dans cette rencontre. Oh non, c'est dehors. Sursis. Encore sur la ligne. Encore. De balles sur la ligne. Là encore, deux de suite dans ce dernier échange. Et alors, en 1 heure et 2 minutes, il remporte cette demi-finale 6-3-6-1 sans aucun problème. Sans aucun problème. Je ne dirais pas de façon éclatante, hein, parce qu'il faut quand même reconnaître que Jimmy a fait beaucoup d'erreurs. Mais enfin, le résultat est là. Il n'a pas prendre que 4 jeux à la ligne. Il a réussi à buter. Et il va retrouver.
retrouver demain soir sur le Macro pour la finale de ce Master 82. La finale sera disputée au meilleur des 5 manches. Qui sera retransmise, vous savez, par nos équipes. Donc, vous aurez pris plaisir à regarder ces deux demi-finales. Ce soir, en activité, c'est 4 grands joueurs. Et il est. Victoire de John McEnroe sur Dula et de Ivan Lendl sur Jimmy Connors ont été acquises très facilement. Je pense que nous devrions demain assister à une belle finale, Daniel. Oui, en espérant que John McEnroe redouble. Hier soir, avec Patrick Dominguez, on en parlait, John McEnroe a une peur bleue d'affronter Lendl. C'est certain qu'il a un très mauvais souvenir de leur dernière rencontre au Madison Square Garden parce que l'année dernière, Thierry, en demi-finale, Lendl avait complètement baladé John McEnroe. Et il y a certainement un ascendant psychologique pris par Lendl sur John McEnroe et John McEnroe appréhende énormément cette finale. C'est quand même qu'il dominera cette appréhension.